Abdallah, Brian, Aram et les autres arpentent chaque semaine le gymnase Marcel Kahn situé aux Poteries à Strasbourg. Allez, allez, on tient, allez. Une heure d'activité physique dédiée aux enfants en surpoids est mise en place à la rentrée dernière. On va commencer par travailler la cheville, d'accord? Donc on va tout simplement, hop, petite rotation comme ceci, hop. Je vais prendre du plaisir, mais au début c'était très compliqué. Pourquoi? Parce que j'avais un peu mal de courir, j'arrivais pas très bien à courir et vite. Ces enfants font partie du dispositif précoce mis en place par la ville de Strasbourg pour lutter contre l'obésité infantile. En Alsace, 23% des 11-12 ans sont en surpoids contre 18% ailleurs en France. C'est le cas de Brian. Je lui fais une prise de sang et il s'est retrouvé avec du cholestérol à 9,5 ans. Du coup, on m'a dit d'aller à l'association précoce et il vient ici depuis ça fait presque un mois. Il a pour un an avec précoce pour voir si le cholestérol baisse et j'espère que ça va baisser. Tous sont suivis par des médecins, des diététiciens et des psychologues. La SPTT, de son côté, se charge de l'aspect sportif. Allez, cours. Ah, dommage. Ils ont conscience vraiment de leur surpoids et c'était assez compliqué pour au début. Mais l'évolution, oui, ça fait depuis le mois de septembre maintenant qu'on en accueille et on constate quand même de vrais progrès de leur part, c'est-à-dire ben, ils viennent avec plaisir, ils viennent avec le sourire, ils ont envie. On a constaté une régularité dans les séances. Et en effet, Aram, par exemple, a perdu une dizaine de kilos. C'est un moment où on peut se dépenser, où on peut donner tout et c'est amusant. Bientôt, moi, je vais être inscrite dans un club peut-être de foot. Le sport santé fait partie des priorités de la SPTT, quel que soit l'âge des pratiquants. On imagine qu'on a des bâtons dans les mains. 4 fois par semaine, par exemple, de la gym pour seniors est proposée au centre sportif Ouest à Königshofen. 110 inscrits pour une moyenne d'âge de 62 ans. Tant qu'on peut discuter, c'est qu'on n'est pas fatigué, hein, on peut y aller. Et quoi de mieux pour apaiser et tonifier le corps que la natation? La SPTT ouvre ses lignes d'eau de la piscine d'eau de pierre aux patients suivis médicalement. Louise vient une fois par semaine et bénéficie d'un suivi personnalisé toutes les 6 semaines. J'ai beaucoup moins mal au dos qu'avant. Louise a subi une opération, d'autres ont des douleurs neurologiques ou sont en surpoids. Leur point commun, ils ne savent pas nager. J'avais peur de l'eau, je ne sais pas, j'avais peur de me noyer. Et depuis que je fais avec Olivier, j'ai plus peur, je rentre. Et c'est bien. Vous sentez que ça vous fait du bien? Oui, physiquement et moralement. Surtout moralement, on se sent beaucoup plus détendu. Parce que voilà, la piscine c'est du sport, mais ça reste quand même quelque chose d'assez doux finalement, on va à son rythme. Sans indication médicale, la plupart n'auraient pas franchi le seuil d'une piscine. Qu'ils soient dans l'eau est déjà une victoire. Toutes les contraintes qu'on peut avoir articulaires, ou les contraintes de surpoids, quand on est dans l'eau, on ne les a plus, puisque l'eau est un élément qui porte. Mais pour ressentir tout ça, il faut que la personne soit en confiance et soit relâchée. Et qui sait, après leur traitement, peut-être Louise ou François rejoindront les rangs des près de 4000 licenciés de la SPTT.